voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Et nazo pambo là-bas en Zambie, oyo bozui occasion to nazu occasion ya kokota na banda kunabino na tango. Na yambona banda ou avant que je commence ma prédication d'aujourd'hui, je vous invite tous à prendre une minute avec moi. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons de ce que tu m'as donné grâce d'entrer dans les maisons de ton peuple. Laisse que le message d'aujourd'hui leur touche et leur apporte la paix, la bénédiction, les opportunités nouvelles dans leur vie. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur m'a donné un nom qui est Jean-Pierre Ngoy. Et la grâce que le Seigneur m'a donnée, c'est de diriger un ministère au niveau du quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu, sous l'avenue Kabamba, dans le côté Beaumarchais Limité, numéro 5343. Vous arrivez, nous allons vous recevoir et Dieu te bénira à travers notre ministère, car notre ministère est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu en Luc. Luc 13, nous commençons à 10 jusqu'à 12. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Vous savez, c'est un message dont plusieurs ont lu et enseigné. Mais selon la science des hommes, nous disons, la répétition est la science ou la mère des sciences. Nous n'allons pas nous fatiguer de vous donner la parole de Dieu. Car vous avez besoin de la parole de Dieu chaque jour. Vous mangez tous les jours de la viande, du foufou, du riz et de tout ce que vous voulez. Vous avez aussi besoin de manger la parole de Dieu. Parce que dans vos vies, il y a certains problèmes, certaines préoccupations, certaines difficultés qui nécessitent la parole de Dieu enseignée et révélée par les hommes de Dieu. La Bible elle-même nous dit, faites confiance à Seigneur, au Dieu, à Dieu, vous serez affermis. Faites confiance à ses saints serviteurs, vous allez réussir. Pour réussir dans la vie, il faudrait que les hommes de Dieu prient pour vous, imposent leurs mains sur vous et encadrent vos affaires spirituellement. Dans cette portion de l'Écriture dont nous bénissons aujourd'hui, Dieu, à travers la Bible, inspiré par les saints hommes, écrit et arrivé jusqu'à notre génération, la Bible dit, Christ était entré d'enseigner dans un synagogue. Et nous savons que dans un synagogue, il y a des scribes. Il y a tout ce que nous voulons, qui était dans ces synagogues, qui était assis, qui était en train de travailler, qui était là avec le peuple de Dieu à cette époque, qui vivait, qui était en train de servir le Seigneur dans ce temple. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous écoutez ce message. Que Dieu ouvre vos oreilles, que Dieu touche vos cœurs et touche chaque domaine de votre vie. Et la Bible continue. Et voici, il y avait là une femme. Peut-être c'est vous. Je ne dirai pas seulement une femme. Je dirai aussi un homme. Que vous êtes là, en train de m'écouter, en train de me voir. La Bible dit, possédé d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ce que je me demande, les scribes, les sacrificateurs qui étaient dans ces synagogues, n'avaient pas-ils vu ou constaté que cette femme était possédée par le diable? Que cette femme était infirme, rendue par le diable. Peut-être que c'est dans votre cas. Vous fréquentez les églises, vous fréquentez les hommes de Dieu, vous voyez les prophètes, vous voyez les docteurs.
tout ce que vous voulez. Peut-être, ils n'ont pas encore cerné votre problème. C'est pourquoi le problème de votre vie perdure et dure à jamais. Votre vie ne sait pas se relever. Votre entreprise ne sait pas se relever. Votre famille ne sait pas se relever. Votre foyer ne sait pas se relever. Vos projets sont courbés et freinés. Dites amen. Et voyez avec votre yeux comment votre vie est en train d'être évoluée. La Bible continue, dit, infirme depuis 18 ans. Vous savez, 18 ans, c'est pas un 4 matin, c'est pas le lundi à vendredi, c'est toute une vie. Quand un enfant est né à 18 ans, il termine les humanités pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, diplômé d'État. Vous voyez que votre vie est en train d'être anéantie, courbée. Et quand on parle de 18 ans, c'est-à-dire le temps long, un temps long, et vous êtes fatigué de votre propre vie. Vous êtes fatigué de votre foyer. Vous êtes fatigué de votre propre entreprise parce que l'entreprise ne produit pas. Parce que votre famille ne vous soutient pas. Parce que dans la famille, il y a tout est néant. Tout est courbé. Vous savez, même un arbre, quand il est courbé, le jour de donner le fruit, cet arbre tombe et meurt. Parce que le poids des fruits, l'arbre ne sait pas supporter. Mais quand l'arbre est droit, il supporte le poids des fruits. La Bible dit, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Écoutez, la Bible est claire. Ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, condamné à ne plus se redresser. Condamné à ne plus avoir une vie d'élévation. Parce que quand un arbre est courbé, il est sur la terre. Toute personne peut venir monter et il ne grandira pas bien. Mais quand un arbre est droit, comme le baobab, il est toujours droit. Il élève. Là-bas, l'arbre est élevé et toutes les personnes voient l'arbre grande et élevé. L'élévation dans la vie d'un homme, dans la vie d'une entreprise, dans la vie de foyer, dans la vie sociale est très très importante. Vous avez besoin d'être élevé. Vous avez besoin de l'élévation. Vous avez besoin d'être dans une vie de succès. Mais la Bible dit, cet homme ou cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. Écoutez, vous pouvez avoir des situations, des circonstances dans lesquelles vous avez perdu toute confiance, dans lesquelles vous avez perdu toute pensée de réussite, parce que la pensée qui vous anime à ces moments est la pensée de régression, la pensée d'être rétrograde, la pensée d'être dans la misère. Dans la vie de misère, dans la vie de médiocrité, dans la vie d'échec, dans la vie de queue. Et donc cet esprit de queue vous attache, cet esprit de queue vous accroche et ne sait pas vous libérer. C'est pourquoi la Bible dit, cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. Parce qu'il était condamné par la vie de l'échec et il n'attendait que la mort. Parce que personne ne pouvait. Vous savez, nous sommes dans un monde où l'homme veut bien être ami à des hommes élevés. Nous sommes dans un monde où les hommes être amis à des hommes qui savent apporter le succès dans la vie des autres. Mais si votre vie ne sait pas apporter le succès dans la vie des autres, personne ne s'occupera de vous. Voilà pourquoi cette femme qui était accompagnée des sacrificateurs, des scribes dans les synagogues, personne ne pouvait la regarder parce qu'elle ne portait pas l'élévation. Or, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que ta vie prospère à tous égards? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es en train de prospérer? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que ton mariage est en paix? Ton entreprise prospère-t-elle? Est-ce que ta vie à la maison est à l'aisance? Quand tu regardes avec tes yeux, tu n'as pas besoin de dire deux fois, tu appelleras, tu prendras ton téléphone, tu m'appelleras et nous allons prier ensemble. Comme la Bible me dit, quand deux, trois personnes s'assemblent en mon nom ou demandent à Dieu, mon Père au ciel, exauce votre prière. J'ai besoin de prier avec toi. J'ai ta peur de venir, de t'accrocher, de mettre nos mains ensemble, de prier avec toi et nous allons voir si Dieu du ciel ne peut pas répondre à ta prière. La Bible dit, lorsque la vie, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme,
tu es délivré. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour que Christ lui-même te parle. Tu es guéri, tu es sauvé, tu es délivré. Les problèmes dont vous avez, les problèmes qui vous accablent, ont besoin de la main puissante de notre Seigneur Jésus. Écoutez, cette femme était dans la synagogue. Cette femme était avec les scribes et les sacrificateurs. Personne n'a vu son problème. Amen. Personne n'a vu sa préoccupation. Personne n'a vu ce qu'elle était en train de vivre. Il a fallu que Christ vienne dans sa vie. Il a fallu que cette femme rencontre Christ. Est-ce que toi qui me regardes, tu as déjà rencontré Christ dans ta vie? Tu crois vraiment au Seigneur? Est-ce que tu as déjà vu le Seigneur? Est-ce que tu as Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur? Si tu n'as pas encore reçu Christ, si tu as besoin d'écouter sa voix, si tu as besoin de toucher sa main, appelle-moi. Nous allons prier. Nous allons dire un mot à ce Dieu grand, à ce Dieu puissant. Et il est capable de guérir ton problème. Il est capable de te donner encore la joie. La Bible dit, cette femme était délivré de son infirmité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu es délivré. Bien-aimé, les hommes peuvent te dire, tu es béni. La famille peut se rencontrer, faire des grandes réunions, dire, nous n'avons plus de problème avec toi. Mais si Christ ne dit mot, tu seras toujours la même. Si Christ ne te touche comme il a touché cette femme courbée, ta vie restera la même. Personne n'a rencontré Dieu, Christ, et sa vie est restée la même. Personne n'a vu Christ, et cet homme est resté possédé, est resté infirme. Partout où le Seigneur est passé, même les choses les plus anciennes, les démons les plus puissants ont libéré la personne. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était lié, ligoté dans un cimetière. Quand Christ est venu, il a rencontré Christ. Les démons ont crié. Et à la fin, Christ a libéré la vie de cet homme. Christ a besoin de te délivrer. Christ a besoin de te délivrer. Christ a besoin de te libérer de tous ces problèmes qui vous accablent, de toutes ces difficultés, de tous ces démons qui se manifestent par les préoccupations des problèmes, qui se manifestent par la domination des échecs dans tes entreprises. Christ a besoin de toi. Il continue, il dit, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Ta vie a besoin de glorifier le Seigneur. Ta vie a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, tu es Dieu, tu es le grand Dieu, tu es celui qui a sauvé l'Israël, tu es celui qui a scindé les mers en deux, tu es celui qui a fait passer à pied sec le peuple d'Israël, tu es celui qui a fait arrêter le ciel pour que la manne tombe. Ces jours-là, tu glorifieras le Seigneur. Maintenant, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes votre social, quand tu regardes ton foyer, quand tu regardes tes entreprises, quand tu regardes ta famille, ta vie est courbée, la famille est courbée, les entreprises sont courbées, votre social est courbé, ta vie, tes entreprises, même tes relations, aucune de tes relations, tu en bénéficies. Voilà, tu te connais, tu as des relations puissantes, comme cette femme. Elle connaissait ses scribes. Elle connaissait les sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs ne l'ont pas donné la bénédiction ni la solution de leur problème. Il a fallu qu'ils rencontrent. Écoutez, dans votre vie, vous avez rencontré des hommes et des femmes élevés aussi en dignité. Mais vous n'avez jamais bénéficié de leur présence dans votre vie. Vous avez rencontré des hommes élevés, mais leur élévation n'a pas changé votre vie, n'a pas amené les bénédictions dans votre vie. Voilà pourquoi vous avez besoin de Christ. Voilà pourquoi vous avez besoin de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi je vous appelle. C'est pourquoi j'ai dit, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur dans votre vie. Tu as besoin du Seigneur dans votre esprit. Tu as besoin du Seigneur dans votre âme. Voilà pourquoi, avec cet temps, je vais vous inviter à prier avec moi. Pendant une ou deux minutes, vous allez prier avec moi et le Seigneur va vous bénir. Et à la fin de cette émission, vous allez m'appeler
vous allez venir et nous allons prier ensemble et Dieu bénira votre vie et vous, vous allez glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi je vous appelle à me regarder. Je ne vous dis pas de fermer les yeux, mais je vous dis seulement de regarder la télé et d'écouter ma prière. Et à la fin de la prière, vous allez m'appeler. Père, au nom de Jésus, voilà, je suis arrivé à la fin de ce message. Tous ceux donc qui ont regardé cette émission, qui m'écoutent en ce moment, Père, étends ta main, touche leur vie. Là où ils sont courbés, redresse leur vie. Là où ils ont des problèmes, guéris. Et je sais une chose, que tu fais de grandes choses. Je te donne toutes ces personnes qui me regardent, qui ont écouté ou qui écoutent ce message. Bénis leur vie, redresse leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, je vous bénis tous avec ces petits messages, qui moi j'appelle petits, mais avec le Seigneur c'est grand. Parce que c'était important pour vous. Appelez-nous, passez par... Je remercie la maison Casa qui nous a donné l'occasion. Et j'ai béni aussi mon frère Blaise qui m'a donné l'occasion d'arriver dans vos maisons. Je le bénis, je le bénis, je le bénis. Sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, ses partenaires. Au nom de Jésus, je te bénis. Vous voulez m'appeler? Je vous envoie mon numéro. 081-18-76-884. 081-18-76-884. Si vous avez l'email, vous pouvez toujours m'écrire jpcalombo@yahoo.fr. jpcalombo@yahoo.fr en minuscule. Je rappelle le numéro 081-18-76-884. J'ai béni la maison Casa. Je parle en tant que prophète que cette maison prospère et continue à servir notre Seigneur au nom de Jésus. Amen. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modisquaires de la place. DVD Oyobozelaki, Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobima, yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'Éternel, adorons le grand roi avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pena ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Mon compte à la pindaye. A côté, quand la mort Malo sako bambote jambo yeno Neka na ebi sabino ke mokonze sala pindai D'ici là, l'album entre des jours Ya frère John Kandolo Et Ozala déjà partout dans le monde Mais, à complicité na Casarema Roma album na bino et Ozala déjà d'ici là Bobongisa baki sangala na bino Talano moi compte na yo bien Bongisa déjà, réservé déjà N'Angleterre mobimba
dans nos vies partout, dans les États-Unis, tout bon, c'est là qui s'en va la peau. Mon condi ça, la pindaï. Album n'a vino entre des jours. Réservé déjà, mon on a eu pour son bas, c'est des pour participer dans Moussa Lanzambe, la ABC Bino. La 4 album, mon condi ça, la pindaï. Bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce, yes. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Hey.